Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dédié à la couture. Je suis Sandrine, alias SP Création. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager ici donc ce que j'ai cousu ces dernières semaines, à savoir 4 projets. Donc dans l'ordre, j'ai cousu un body, ensuite une jupe longue, ensuite j'ai cousu une veste et pour terminer, donc j'ai cousu un pantalon. Alors pour la tenue du jour aujourd'hui, je porte la robe Myosotis de Dirindo, c'est un patron que j'ai cousu il n'y a pas si longtemps que ça et que je porte ici dans une version plutôt automnale, hivernale, puisque nous sommes encore en hiver, mais portée ici comme ça avec un sous-pull, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc cette robe, moi je l'ai raccourcie en tunique pour pouvoir la porter avec un pantalon en dessous. Ici en l'occurrence c'est un pantalon large fluide en jersey, c'est un patron Burda. Et voilà, et puis j'aime bien en fait cette association de vêtements. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est ici au niveau de l'encolure, ici en V, vous avez une petite patte de boutonnage, le petit col, les manches courtes. Alors ici vous voyez que le bord est festonné, c'est en fait la lisière du tissu que j'ai laissé tel quel, ce qui m'a évité de faire un ourlet. Idem pour le bas en fait, voilà. Ça c'est fabuleux, quand on a un tissu comme ça, ça évite de faire des ourlets. Et puis ici la taille est froncée, alors pour moi la taille est un peu trop haute parce que ma taille naturelle est ici. Donc pour le prochain, il faudrait que j'abaisse un petit peu, enfin que j'allonge en fait le corsage pour que la ligne de taille arrive au niveau de ma taille naturelle. Mais je suis plutôt contente de ce modèle. Alors il y avait juste un petit défaut ici au niveau de l'encolure parce qu'il y a des plis qui se forme, donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je modifie au patronage pour le prochain modèle, parce qu'il y aura d'autres évidemment Myosotis à venir, c'est certain. Alors eh bien je crois que c'est parti pour vous présenter donc mes projets cousus donc au mois de février. C'est parti. Le premier projet dont je voudrais vous parler, donc c'est le body Baila de Charlotte Jobert, donc voici tout de suite le schéma technique. Le body Baila est un body près du corps, croisé sur le devant et sur le dos façon cache-cœur. Le croisement permet un bon maintien au niveau de la poitrine. Vous pouvez même associer deux tailles différentes entre le haut et le bas. Vous avez donc soit une manche simple, soit une manche bouffante. Deux options pour le bas, donc soit une version culotte, soit une version tanga. Deux finitions également proposées pour le bas, donc soit une finition en forme, soit une mini-finition colletage. Et à noter qu'il n'y a pas d'ouverture au niveau de l'entrejambe. Donc ça c'est un parti pris de la créatrice. Moi ça ne me gêne pas plus que ça qu'il n'y ait pas d'ouverture. Voilà, le seul problème que j'y verrais, c'est pas un problème de toilette parce que moi ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est le problème de devoir enfiler en fait le body par les jambes. Donc il faut quand même avoir la notion qu'on va passer par le décolleté pour y passer nos jambes, nos fesses, etc., la poitrine, et donc c'est pas évident au niveau de l'enfilage, et qu'il faut gesticuler un petit peu pour pouvoir enfiler ce genre de body, notamment que, enfin, d'autant plus que ce sont des bodies qui sont plutôt très ajustés, qui sont près du corps, très moulants, et donc ce qui occasionne certaines difficultés. Ça a été le cas pour mon premier body, c'était le body Gashina. Bon, alors après, peut-être que j'avais fait un mauvais choix entre taille et tissu, parce que mon tissu n'était pas suffisamment stretch. Donc du coup, voilà, il fallait que je m'en contorsionne pour enfiler, pour entrer dans le body. Pour le body, la Baila, c'est un peu plus facile parce qu'en fait, il y a une large ouverture au niveau du décolleté devant et dos, donc c'est plus facile. Et j'ai pris aussi un tissu plus stretch que le précédent, mais il ne demande pas moins qu'on doit, voilà, on doit enfiler donc le body par les jambes. Donc il faut en tenir compte si vous souhaitez donc acquérir ce patron. Alors ce patron justement, donc moi je l'avais acheté à l'époque en promotion, c'est-à-dire à 20%, donc c'était 9,60€ au lieu de 12€ le patron PDF. C'est un patron qui est donc exclusivement PDF, sauf si vous l'achetez au format coffret, box, enfin je sais même pas s'il y en a encore. Alors le format A4, ça représente 34 pages à imprimer, ce qui est quand même assez conséquent. Moi ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas de calque de taille, donc on est obligé de tout imprimer, et voilà, bon, c'est un petit bémol parce qu'aujourd'hui on voit quand même dans les PDF beaucoup de patrons avec un système de calque de taille. Voilà, le point positif en revanche, ce sont les marges de couture parce qu'elles sont incluses, donc ça c'est un bon point parce que moi je fais partie de la team marge incluse. Et elles sont de 0,8 cm, donc c'est la largeur du pied si vous assemblez le body donc à la surjeteuse, ce qui est mon cas. À noter que c'est 0,6 cm pour le tour de cuisse. Le livret technique, eh bien moi je l'ai trouvé encore une fois de toute beauté. Moi je félicite la créatrice parce qu'elle a fait un sacré travail de mise en page, de mise en couleur, des illustrations, etc. Donc moi je suis assez admirative de son travail sur ce plan-là parce que ça sort vraiment des cahiers techniques qu'on a l'habitude de voir.
Néanmoins, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu par-ci par-là quelques erreurs au niveau du livret. Bon, alors moi je pourrais pas vous dire si. Enfin, j'ai l'impression que le patron PDF que moi j'ai acheté, le livret a dû être revu et corrigé parce que j'ai pas vu tant d'erreurs que ça. Alors j'ai vu effectivement quelques coquilles, fautes d'orthographe, etc. Mais en tout cas rien qui m'a semblé énorme, j'allais dire, pour, et qui aurait compliqué en tout cas la couture de ce body. Donc à noter, parce que si vous avez acheté ce body-là il y a longtemps, peut-être que vous avez une version qui n'est pas tout à fait à jour. Et puis il faut dire aussi que j'ai pas lu non plus toutes les explications, parce que moi je n'ai pas suivi en fait les finitions proposées, notamment au niveau de la version culotte tanga, c'est-à-dire que c'était soit une finition en forme, soit une finition en colletage, et ni l'une ni l'autre ne me plaisait, donc moi j'ai fait une finition complètement autre, qui est une finition avec un élastique à picot, donc du coup j'ai pas vraiment regardé les explications. Voilà, et puis, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire? Bon bah c'est tout. C'est tout, je vais vous montrer donc ma version. Donc le devant et le dos. Donc comme pour ma version Gashina, moi j'ai fait une version non pas culotte mais une version tanga ici au dos. Parce que voilà, question de préférence. Moi j'aime pas trop avoir des démarcations, donc du coup bah, la version tanga c'est nickel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc vous avez un large décolleté en V, donc façon cache-cœur, devant et dos. C'est quasi similaire, hein. Les pièces de patronage sont différentes devant et dos, mais vous avez quand même en fait cette ouverture là qui croisée que je trouve en tout cas très jolie. Donc c'est un patron plutôt simple, hein. Vous avez ici une découpe au niveau de la culotte. Ici, comme vous pouvez le voir, moi j'ai opté pour les manches ajustées, donc les manches simples ajustées, finies par un poignet de manche. Mais je pense que pour le prochain, je ferai la version avec les manches bouffantes parce que cette version me plaît bien. Bon là, il se trouve que j'avais pas suffisamment de tissu pour faire les manches bouffantes, donc j'ai fait des manches simples. Et puis ça me permettait aussi de voir un petit peu, bah, disons que c'est pas le prototype, mais enfin c'est une sorte de toile portable. Voir un petit peu ce qui si ça me convenait ou pas en termes de tissu, parce que du coup là j'ai utilisé un tissu bistretch dont le taux d'élasticité est correct, parce que normalement le taux d'élasticité doit être de 50% et bistretch, donc extensible à la fois en largeur mais aussi au niveau de la hauteur. Voilà. Et j'ai cousu la taille 36 qui correspondait donc au tableau des mensurations. À noter qu'il n'y a pas de tableau avec les mesures finies du vêtement, ça se trouve c'est un petit peu dommage parce que du coup si on avait ce tableau-là on se rendrait compte alors qu'il y a donc une aisance négative à porter au patron. Bon, a priori c'est normal hein, quand on cousse ce genre de vêtements près du corps, il y a toujours une aisance négative, mais je pense qu'il aurait été bien qu'on nous l'indique parce qu'on se serait alors rendu compte que c'est un patron quand même qui taille assez petit. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel parce que moi j'ai suivi les mensurations du tableau. Et je trouve que ça taille petit, donc et c'était légalement le cas pour Gashina, je pensais que c'était lié à mon tissu, mais curieusement, je pense que c'est. Bah, il faudrait que chez Charlotte Jobert, en tout cas, je couse une taille au-dessus, donc la taille 38. Et puis, alors ce patron est proposé pour une stature de 1,64 m, si je ne me trompe pas. Je vérifie. Non, 1,65 m. Pour Gashina, c'était une stature de 1,60 m. Moi je fais 1,68 m et moi j'ai la particularité d'avoir un long buste qui est plus long que la moyenne. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un fait. Donc j'ai un long buste et des plus petites jambes. Voilà. Donc du coup, même si là le body était de 1,65 m, j'ai quand même allongé le corsage de 6 cm, donc plus que ce que j'aurais dû prévoir puisque je fais 1,68 m. Et voilà. Et c'est mieux en tout cas. C'est mieux en termes de longueur. Ce que je vais vous dire, c'est que je n'ai pas ajouté ces 6 cm comme indiqué dans le livret, parce que moi, en fait, je ne voulais pas toucher donc à la partie culotte, parce que la découpe ici, je voulais pas qu'elle remonte plus haut. Donc moi, je voulais que la découpe reste basse, c'est-à-dire qu'on la voit pas au porté quand on porte une jupe ou un pantalon,
Alors, donc il est nécessaire de choisir, là encore pour coudre ce body, donc un jersey bi-stretch dont le taux d'élasticité est de 50%. Donc moi, c'était le cas avec ce jersey. C'est un jersey que j'ai acheté 8,99€ chez Toto Tissu, donc à Paris, Réaumur. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en termes de métrage, Charlotte Jobert indique 2m60 avec une laisse d'1m50 pour la taille 52 avec des manches bouffantes. Il n'y a pas d'indication en fait si vous cousez votre version dans une taille moindre. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cousu ma version en taille 36 avec les manches simples dans 1m50 de tissu, ça tient. Pour les manches bouffantes, il aurait fallu davantage. Mais voilà, donc faites bien votre calcul avant d'acheter les tissus, parce qu'il n'est pas utile d'acheter direct 2m60, parce que 2m60 c'est pour la taille 52. Donc si vous faites une taille moindre, je pense que ça vaut le coup de prendre les pièces patron. De faire une petite simulation pour voir de combien de métrage vous auriez besoin, parce que ce serait inutile d'acheter du tissu en trop, mais en tout cas moi dans 1m50 ça suffit, c'est bon. Côté difficulté, le livret technique indique un niveau débutant, alors moi je dirais plutôt que c'est un niveau intermédiaire de par le choix des matières, donc là on est quand même dans des tissus qui sont plutôt fins, fluides, donc élastiques, et donc du coup évidemment je trouve que ça nécessite une certaine dextérité pour coudre donc un body avec ce genre de matière. Donc moi d'emblée je dirais pas à un débutant de coudre ce patron là, sauf si évidemment il est très motivé, mais effectivement ça dépend des tissus qui vous étaient utilisés. En l'occurrence ici le mien, c'est un tissu qui était plutôt fin, fluide et plutôt glissant, dont les bords roulottent un petit peu, donc ça n'a pas été toujours évident. Moi ce que j'ai fait tout du long, c'est que j'ai bien un épinglé, j'ai fait pas mal de points de bâtis donc à la machine à coudre, donc c'est à dire que on fait des grands points à la machine à coudre pour assembler les différents épaisseurs ensemble avant de tout surfiler, de tout passer à la surjeteuse. Parce que moi ça me permet de mieux positionner les pièces, ça me permet d'avoir plus de confiance et d'assurance dans mes coutures. Donc moi c'est ce que je vous conseille aussi de faire, n'hésitez pas quand vous avez des tissus qui sont difficiles à manier, n'hésitez pas à bâtir avec la machine à coudre ou à la main si vous préférez, mais ça vous permettra d'avoir un plus joli, plus d'assurance en tout cas quand vous allez coudre vos pièces les unes avec les autres. Dans le livret technique en fait on nous dit que c'est une question de style en termes de positionnement des pans en fait, parce que le devant par exemple, alors je sais pas si on va le voir ici, mais il y a un pan qui couvre l'autre. Et donc au niveau du positionnement, en fait c'est à notre convenance. Donc bon, moi j'ai fait comme il me semblait bien de le faire en fait. Hein. Et ensuite il y a un dessin en fait qui m'a un peu interpellée. Je n'ai pas su trop comprendre si c'était moi qui avais fait une erreur ou pas. Je vous mets ici donc le dessin. Et dans le livret donc on nous indique de faire attention au niveau des raccords côtés. Mais dans les réalités, enfin en tout cas dans la mienne, ce raccord n'est pas visible contrairement au dessin qui semble dire le contraire. Donc soit je n'ai pas positionné les pans comme je l'aurais dû, soit il y a un truc qui m'échappe. Vous voyez, je n'ai pas les deux raccords qui sont alignés. Donc voilà, il y a quelque chose que je n'ai pas comprise à ce niveau-là. Au niveau de la partie culotte, donc comme je vous l'ai indiqué, ici j'ai utilisé un élastique à picot pour finir donc les bords ici de la partie tanga. Vous avez ici la partie gousset, donc au niveau intérieur. Voilà, et puis c'est tout. Donc moi j'ai pas fait la technique du colletage ni la technique des enfants parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je n'aime pas avoir de démarcation. Donc la technique du colletage, c'est insérer en fait une laminette au niveau des bords, c'est à dire qu'on va créer une ganse avec à l'intérieur donc de la laminette, et moi c'est pas une finition que j'apprécie particulièrement. Je trouve ça même un peu grossier, ou alors en tout cas moi quand j'avais fait l'expérience sur une culotte, je trouvais que ça créait des surépaisseurs qui n'étaient pas forcément utiles au porté. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis pas du tout une spécialiste de lingerie, donc c'est pas une technique je l'ai faite qu'une fois et j'étais pas hyper emballée de cette technique là. Mais peut-être que si on utilise une laminette peut-être plus fine, peut-être que la mienne était trop épaisse ou trop large, je sais pas. Peut-être que ce serait mieux. Enfin bon voilà, j'ai pas voulu retenter l'expérience. Moi j'ai fait une simple finition et ma foi le résultat me convient très bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau des instructions de montage, alors sauf erreur de ma part, on nous indique jamais en fait de presser au fer les coutures d'assemblage. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que de presser au fer, eh bien ça finit bien le travail en fait.
Ça permet de bien finaliser et ça rend plus propre, plus joli donc les coutures. Donc ce n'est jamais précisé. Et c'est un petit peu dommage, notamment pour le décolleté, parce que vous voyez ici, le décolleté est fini par des bandes, en fait, qui font tout le tour de l'encolure. Et ces bandes, donc, qui sont... alors moi, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai épinglé, ensuite j'ai bâti à grand point la machine à coudre, et ensuite je suis venue surjeter ici. Et moi, ce que je fais, eh bien, c'est que ensuite je presse bien au fer les marges de couture, en veillant à ce que les marges de couture soient couchées vers l'intérieur. Donc ça, c'est une opération qui se fait donc au fer à repasser. Donc j'avais remarqué ça également pour le body gashina, c'est qu'on n'utilise jamais le fer à repasser. Alors je comprends pas, alors est-ce que c'est parce qu'on utilise du jersey qu'on n'utilise pas le fer à repasser? Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Moi je trouve ça essentiel en fait de presser au fer les marges de couture, que ce soit du jersey ou du chenetram. Je trouve qu'encore une fois, ça finit bien les choses. Je vous l'ai dit, donc j'ai cousu moi les manches simples ajustées, c'est fini par un poignet de manche, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis bah, c'est tout, je crois que j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vais regarder mes notes, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, ben voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire concernant ce body. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Et donc, ce qui est certain, c'est que le prochain, eh bien, je ferai donc une taille au-dessus, donc taille 38, et j'essaierai de prévoir sinon un tissu encore plus extensible pour être vraiment à l'aise et confortable dans le port de ce body. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que donc au fur et à mesure de la couture, moi je procède toujours à des essayages pour voir un petit peu si ce que je fais en vaut la peine ou s'il y a des choses à modifier, réajuster donc avant que le projet soit fini. Et donc j'avais fait l'essayage avant de poser les manches, et puis donc à l'essayage, donc j'enfile le truc et là tout à coup j'entends tout craquer. Je dis ça y est, c'est foutu, les coutures ont craqué, c'est un massacre total, etc. Et en fait, quand je l'ai retiré, je me suis rendu compte que les coutures n'avaient pas craqué, fort heureusement, mais que ce qui avait craqué, parce qu'il y avait bien quelque chose qui avait craqué, c'est en fait tous les fils de bâti. Parce que moi, quand je fais des fils de bâti comme ça, je les retire pas, je les laisse en fait. Je les laisse dans les coutures, parce qu'en fait c'est ensuite recouvert par la surjeteuse, et en fait ce sont tous ces fils de bâti qui ont craqué, donc j'ai une grosse frayeur à l'essayage en disant ça y est, c'est trop petit, c'est horrible, c'est un carnage, mais en fait pas du tout. Mais ce qu'il faudrait faire en fait, c'est que je prévois des fils de bâti en fait de couleur pour pouvoir ensuite les retirer, enfin les identifier et ensuite pouvoir les retirer après la couture de surjeteuse quoi. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça m'a fait un peu paniquer sur le moment, mais plus de frayeur qu'autre chose. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Le deuxième projet que j'ai cousu, c'est une jupe, c'est la jupe Circé de Direndo, dont voici tout de suite le schéma technique. Donc à la base, c'est une robe cache-cœur structurée, à manches longues fendues, jupe en A et poche italienne. Pour la version B, donc c'est une jupe portefeuille boutonnée, avec deux longueurs, maxi et genoux. C'est un patron que j'avais acheté en promotion lors de la sortie en fait de la dernière collection de Direndo, donc j'avais payé 10,40€ au lieu de 12€ le patron PDF. Alors sachez que pour le patron PDF, si vous voulez coudre la jupe comme moi je l'ai cousue, c'est-à-dire une jupe version longue, donc version maxi, ça représente quand même 49 pages A4. Sinon, sachez que si vous voulez imprimer votre patron au format A0, ça représente 3 planches A0. Il y a un système de calque de taille, ce qui fait que vous pouvez imprimer là où les tailles choisies, et puis les marges de couture sont incluses. Comme d'habitude chez Direndo, les marges sont de 1,5 cm. Personnellement, moi je préfère les marges de 1 cm, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc moi j'ai cousu la version B, donc la version jupe portefeuille, longueur maxi, et modification, je n'ai pas ajouté les poches italiennes proposées dans le patron. Autant moi pour les pantalons j'aime bien avoir des poches, mais autant sur les jupes, et notamment les jupes longues, je trouve que ça casse un peu la ligne générale de la jupe. Je trouve que ça apporte de l'ampleur ou de la matière là où on aimerait qu'il y en ait moins. Donc voilà, donc j'ai retiré les poches. Pour ce faire, c'est assez simple, puisqu'il suffit de juxtaposer donc les deux pièces de patron l'une sur l'autre pour n'avoir qu'un devant bien entier et non plus avec
Donc l'entrée de poche, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai fait, donc du coup ça m'a enlevé une difficulté, même si coudre des poches italiennes c'est pas non plus des plus difficiles. C'est un patron qui est proposé donc en deux gammes de taille, donc soit du 34 au 48, soit du 46 au 60. Donc il y a un tableau avec les mesures finies du vêtement. Ici vous le voyez pour la taille 34 à 48. Moi j'ai cousu intégralement la taille 36, bien que je fasse plutôt une taille 40 pour le bassin, mais au regard donc de l'aisance apportée au modèle, moi pas de souci, donc ça passe. La stature indiquée pour les patrons d'Irano c'est 1m68, je fais pile 1m68, mais j'ai quand même dû raccourcir la jupe de 8 cm parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai un long buste et des petites jambes, donc ce qui explique cela. Donc moi c'est la seule modification que j'ai apportée au patron, si ce n'est donc de ne pas avoir cousu les poches italiennes. Enfin, je vais vous parler un petit peu métrage en fait de tissu, parce qu'en fait, ce patron est très consommateur de tissu et ça m'avait un petit peu rebuté en fait au début. Parce que quand j'avais vu le métrage, je me dis oh là là, enfin ça demande quand même beaucoup de métrage, parce que je vois que ça demande 3,20 m pour coudre la jupe pour la taille 36, ce qui est assez conséquent. Mais moi, j'ai réussi à tout caser dans 2,10 m. De tissu. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un pourquoi. C'est qu'en fait, parce que 1, j'ai cousu la taille 36 déjà. 2, je l'ai raccourci de plusieurs centimètres. Donc je vous l'ai dit, j'ai raccourci de 8 cm. Et puis ensuite, 3, je n'ai pas cousu les poches. Et aussi parce que mon tissu avait une laisse de 1m60. Alors que là, on nous indique 3,20 m pour une laisse d'1m50. Ce qui fait que, comme ma laisse était suffisamment grande, moi j'ai pu en fait positionner la planche patron, c'est-à-dire la pièce 11 qui représente la pièce devant, sur tissu plié en deux. Parce que quand on regarde en fait le plan de coupe proposé par Dirando, on doit positionner donc la pièce devant en deux temps, sur un tissu déplié. Mais moi j'ai réussi à plier en deux, poser ma pièce et tout tenait, parce que encore une fois j'ai réussi à caser ça comme ça, et donc ce qui fait que j'ai gagné quand même pas mal en termes de métrage. Donc moi j'avais acheté un tissu chez Mode des Travaux, la boutique Mode des Travaux que vous savez qui est à Saint-Lazare, donc ce sont les coupons de Saint-Pierre, donc c'était un coupon de 15 € les 3 mètres. Et donc nickel, la seule chose c'est que voilà, petite erreur de casting, parce que en fait c'est un tissu, ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de la couture, c'est un tissu qui froisse, je regarde si ça filme, oui ça filme, donc je continue de parler. Donc c'est un tissu, parce qu'en fait voilà, on assemble les différentes pièces de patron etc, et au fur et à mesure je me rendais compte que le tissu froissait quand même pas mal. C'est un tissu à la base de... c'est polyester, je pense. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est polyester. Oui, c'est un sergé de polyester. Bon, on n'a pas vraiment la composition exacte chez les coupons Saint-Pierre. Mais je pensais pas que ça allait se froisser autant. Et c'est un peu dérangeant, parce que quand on porte une jupe, forcément, on s'assoit, on se lève, on gesticule, tout ça. Et donc, forcément, c'est un tissu qui est quand même pas mal sollicité et qui se froisse pas mal de base. Alors forcément, au porté, ça va être un carnage total en fin de journée. Bon, voilà, tant pis, hein, ça arrive de faire des petites erreurs comme ça. J'aurais pu stopper net mon projet, mais je me suis dit, tant pis, maintenant que j'y suis, je continue et je vais jusqu'au bout de mon projet, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Quand je commence quelque chose, j'aime bien finir, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la chose. Et puis voilà, donc c'est un peu comme tout dans la vie, hein. Moi j'aime bien commencer et terminer quelque chose. Et bon, alors finalement ce sera une jupe que je vais porter malgré tout, mais avec l'idée que voilà, ça va se froisser au porté. C'est un peu gênant, mais tant pis, ça m'empêchera pas de porter cette petite jupe, parce que j'aime beaucoup la ligne qu'elle fait, j'aime beaucoup cette coupe portefeuille. Bon, je crois qu'il est temps peut-être que je vous montre avant d'aller plus loin. Ne bougez pas. Donc voici ma version, donc le devant et le dos. Donc au dos, vous avez deux pinces ici de taille. Vous avez la ceinture et au devant, donc c'est toute la particularité du modèle. Vous avez donc voilà, vous avez ici, je ne sais pas si on le voit, mais vous avez la partie, vous voyez, portefeuille en fait. Donc vous avez le pan ici, devant droit, qui recouvre le pan devant gauche. Le dos ici est simple.
Et alors moi, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est que les pans se croisent joliment, c'est-à-dire qu'ils se positionnent, ils s'alignent juste au niveau des plis. Ce que je trouve particulièrement bien pensé. Donc là, on le voit peut-être pas, mais en fait, quand on soulève, ici, il y a un pli. Alors, je vais retirer le... Alors, et puis vous voyez que là, en fait, la jupe se ferme au moyen de deux boutons boutonnières. Donc moi, ici, j'ai utilisé des boutons, en fait, recouverts du même tissu. Je trouvais ça, sur le moment, plus simple de faire ça. Et donc, vous voyez, quand j'ouvre, ici, la jupe, vous voyez qu'ici, vous avez un pli qu'on retrouve également ici, donc par symétrie. Et en fait, quand on ferme la jupe, le pan ici vient se positionner pile au niveau du pli, ce que je trouve donc particulièrement bien pensé. La finition intérieure, en fait, c'est une parmenture. Ici, tout du long, donc c'est une parmenture qui est donc entoilée. Moi, j'ai fait une finition simple, c'est-à-dire que j'ai simplement surfilé donc le bord. Normalement, il est prévu un double rentré de 0,5 cm. C'est une parmenture qui est sous-piquée. Moi, là, à vrai dire, je suis à deux doigts en fait de venir glacer en fait cette parmenture, parce que la parmenture, donc elle a été sous-piquée, mais en fait, comme c'est une... Les pans vont s'ouvrir en fait de façon assez normale, j'allais dire, puisque quand on marche, donc les pans vont s'ouvrir. Et en fait, il y a la parmenture quand même qui bouge. Donc même après avoir sous-piqué, bien pressé au fer, etc. Voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me gêne, qui risque de me gêner en fait dans l'avenir. Donc là, je suis à deux doigts de glacer, c'est-à-dire de maintenir les deux épaisseurs ensemble par un petit point à la main. Donc c'est un point de chausson qu'on vient faire ici sur l'intérieur pour fixer en fait la parmenture sur l'intérieur et pour éviter justement qu'elle ne bouge de trop quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que je modifierai avec le temps. Et alors, quand j'ouvre ici, vous voyez là, j'ai l'intégralité de la robe, donc l'intérieur et l'extérieur. Donc évidemment, je suis consciente qu'avec le noir, on ne va pas voir grand chose. Enfin, vous avez l'idée, donc c'est une jupe qui s'ouvre intégralement comme ça et qu'en fait on vient ensuite replier au niveau du milieu devant avec les deux pans qui viennent comme ça se juxtaposer. Donc au niveau des finitions intérieures, bah, les coutures sont simplement surfilées, rien de transcendant. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour les boutonnières ici, donc vous avez deux boutonnières à réaliser. Moi, j'ai utilisé non pas le pied spécifique boutonnière, c'est-à-dire le pied sensormatique, mais en tout cas sur ma faf, c'est le cas. Attendez, je vais peut-être l'avoir ici. Voilà, d'habitude on utilise... Attendez. Voilà, d'habitude pour coudre des boutonnières, donc on utilise ce genre de pied. Voilà. Mais moi, ce que j'ai utilisé, c'est ce pied-là, en fait. Donc c'est un pied boutonnière. Boutonnière manuelle en fait, parce que en fait quand on a j'ai remarqué ça en fait, il est très difficile d'utiliser ce pied là quand on est au niveau d'une extrémité, donc notamment au niveau de la ceinture, parce qu'en fait il y a tellement d'épaisseur au niveau de l'extrémité de la ceinture que le système il comprend pas et donc il bute sur les épaisseurs et en fait ça vient faire des bourrages ou ça crée des choses pas très nettes. Donc du coup, moi ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise ce pied là. Alors on l'a pas avec toutes les machines, mais en tout cas moi avec ma PFAF je l'avais, et ça permet en fait de réaliser des boutonnières manuellement, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons donc la longueur de la boutonnière, et donc on l'a fait en 4 temps, donc 1, 2, 3 et 4. Alors je sais pas si je suis très claire, mais voilà, et ce qui fait que ça me permet de réaliser cette boutonnière là qui est ici au niveau de l'extrémité, au niveau de la ceinture. Celle-ci ça va, parce qu'elle est en plein milieu de la ceinture, c'est pas gênant, mais ici en fait vous avez toutes les épaisseurs et c'est assez compliqué de réaliser ça avec ce pied là. La seule chose, c'est que là du coup j'ai utilisé mon découvite évidemment pour ouvrir la boutonnière et j'ai un petit peu coupé les fils, donc voilà, j'ai un peu trop forcé sur le découvite, donc il faudrait que je reprenne ça en fait à la machine à coudre, parce qu'en fait c'est simplement un point zigzag très serré, hein, enfin une boutonnière, hein. Donc là il faudrait que je reprenne à la machine, parce que là ça c'est un petit peu enfin les fils ont été un petit peu coupés.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux boutonnières. Ensuite, pour revenir à la parmenture, au niveau de la gestion parmenture ourlet, ici, au niveau du bas, c'est-à-dire que vous avez donc l'angle, c'est-à-dire que vous avez la longueur de la jupe, ici l'ourlet, donc sur l'intérieur, vous voyez, on a donc la parmenture et l'ourlet. Donc à noter que normalement c'est un double rentrée, moi j'ai fait un simple ourlet en fait sur filet piqué. Et en fait, Diredo nous dit qu'il faut donc sous-piquer la parmenture. Mais avec la méthode de Diredo, enfin moi j'ai pas vraiment suivi leurs explications, parce qu'en fait avec leur technique on peut pas sous-piquer la parmenture intégralement, puisqu'on est gêné au niveau de l'angle avec l'ourlet. Donc moi ce que je vous conseille c'est de sous-piquer donc toute la parmenture d'une seule traite. Ici moi j'utilise le pied de biche pour zip, car ça permet de mieux visualiser ensuite ma future ligne de piqûre. Ensuite je surfile tout le bas de la jupe, parmenture incluse. Ensuite, endroit contre endroit, je couds l'angle que forment la parmenture et l'ourlet, et donc je pique à 2 cm, donc ce qui est indiqué par Diredo. Je crante et je dégarnis avant de retourner sur l'endroit, et ensuite donc eh bien, je peux réaliser mon ourlet. Donc je presse au fer l'ourlet, puis je surpique sur l'endroit à 1,8 cm du bord grâce à un pied de biche en fait PFAF. C'est un pied qui est doté d'un guide métallique qui permet de suivre le bord du tissu. Et donc du coup, bah, je trouve que bah, c'est plus net, en tout cas, au niveau de la gestion parmenture ourlet. Il y a un point aussi qui m'a posé question, c'est l'histoire du devant droit, devant gauche. Moi, j'ai toujours du mal, en fait, à me positionner, à me repérer dans l'espace, et pourtant, ça devrait être clair, mais quand on est en pleine couture, on finit par oublier et perdre un peu ses moyens, je sais pas. Mais toujours est-il que je savais plus quel était le devant droit, le devant gauche, parce qu'en fait, on doit, ici, coudre donc les boutonnières, que je me trompe pas. La boutonnière, c'est le côté droit au porté, et les boutons au niveau de la ceinture, donc c'est le côté gauche, c'est la ceinture côté gauche. Et au niveau du montage, eh bien je savais plus quel était le ceinture côté devant, le ceinture côté gauche, et évidemment je me suis trompée, hein, évidemment, donc j'ai inversé. Bon, ceci dit, c'est pas très gênant parce que les pièces sont identiques, c'est juste le marquage en fait qui est différent, mais bon, comme c'est un marquage qu'on fait généralement à la craie ou au stylo friction, c'est pas gênant puisqu'on peut tout effacer et recommencer. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait mes repères sur la mauvaise ceinture. Et en fait je trouve ça dommage parce qu'en fait dans les explications, Diredo ne précise pas en fait. Ne précise pas quel est le devant gauche, quel est le devant droit au niveau de la ceinture. Ça c'est dommage parce que on peut confondre, et moi la première puisque je me suis trompée. Donc je pourrais pas vous dire comment j'ai fait parce que je serais incapable de vous dire. Mais ce que je peux vous dire comme moyen de retenir, c'est que la ceinture côté droit, c'est côté bras droit, donc c'est ici, c'est ce côté là, ce côté là c'est le côté droit, ce côté là c'est le côté gauche puisque c'est mon bras gauche. Voilà, j'essaye de retenir comme ça, mon bras droit, ceinture droite, bras gauche, ceinture gauche. Par contre, quand vous avez les pièces devant vous, voilà, on a tendance à inverser parce que c'est, il y a la notion de au porté. Et donc quand on a les pièces devant soi, là on finit par ne plus savoir. Et donc évidemment ça m'a joué des tours et je me suis trompée. Bon, c'est pas très gênant, ça se rattrape très bien puisque moi je l'ai rattrapé. Mais je vous le dis pour que vous y pensiez si vous avez besoin de coudre cette jupe. Voilà. Et puis sinon, bah, pour former la ceinture, moi j'ai pas suivi les instructions de montage proposées par Diredo parce que voilà, maintenant j'ai fini par avoir mes petites habitudes, mes petites préférences en termes d'assemblage. Donc moi j'ai fait avec ma technique habituelle, et puis ce que je voulais vous dire surtout, c'est que j'ai rabattu donc la ceinture intérieure sur l'envers, et je l'ai fixée avec des points à la main plutôt que de faire une piqûre machine, parce que moi je trouve que c'est toujours très délicat de faire des piqûres qui soient aussi jolies sur l'extérieur que sur l'intérieur, parce que on a beau être très efficace sur l'extérieur, mais ensuite quand on regarde son ouvrage sur l'intérieur, et eh bien c'est un désastre avec des piqûres qui ne sont pas droites du tout, et donc c'est très difficile, je trouve, d'avoir une jolie finition intérieure. Donc moi, pour ce faire, je me casse pas la tête, je finis à la main, c'est la ceinture intérieure donc que j'ai fini à la main. Voilà.
Je crois que... Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai quand même pas mal dégarni au niveau de la ceinture, parce que je vous rappelle, les marges de couture sont ici de 1,5 cm, ce qui est vraiment trop pour une ceinture, donc pensez bien à dégarnir, c'est-à-dire à réduire de moitié les marges de couture, bien dégarnir au niveau, bien cranter au niveau de l'angle, parce que sinon vous allez avoir pas mal de surépaisseur, et alors tout dépend aussi du tissu que vous allez utiliser, mais moi j'hésite pas en fait à couper même au niveau des marges de couture en pointe pour limiter les épaisseurs. Voilà, bah je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur cette petite jupe. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Je vais certainement vous montrer ça donc avec mon body Baila, puisque je trouve que l'association des deux est plutôt pas mal. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne porté. Ensuite, j'ai cousu une veste, c'est la veste Sublime de Super Bison, donc voici tout de suite le schéma technique. Alors Sublime, c'est la première veste blazer femme proposée par Super Bison, donc selon le tissu que vous allez choisir, ça donnera soit un style habillé, soit un style plus casual. Ce modèle est prévu non doublé, avec une parmenture finie par un biais, une jolie basque, des découpes princesses et des manches tailleurs. On peut la porter boutonnée, pressionnée ou ouverte, tout simplement. Alors Super Bison, moi c'est une marque de pantalon que je ne connais pas vraiment, si ce n'est que j'ai découverte en fait grâce au magazine Mode et Travaux. Il y avait une collaboration entre donc le magazine Mode et Travaux et Super Bison. J'avais cousu d'ailleurs 3 modèles issus de ce magazine, j'avais été plutôt enchantée par les patrons proposés, les explications, etc. Mais il y a forcément un décalage entre les patrons qu'on achète dans un magazine et les patrons qu'on achète directement donc à la maison mère, j'allais dire, donc Super Bison. Et donc là c'était la première fois que je cousais donc un patron de leur marque Super Bison. Et alors j'étais, pour tout vous dire, je n'ai pas acheté ce patron, on me l'a offert, et une fois n'est pas coutume, donc c'est l'une de mes abonnées, l'une de mes plus fidèles abonnées, Myriam, qui se reconnaîtra, du compte Instagram donc du fil des idées, qui m'a envoyé comme cadeau ce patron, et je ne peux que l'en remercier vivement, parce que c'était un patron qui m'avait tapé dans l'œil dès sa sortie. En fait j'avais beaucoup aimé l'allure générale, la coupe, et notamment Marion alias Bicer Mariaka, mais aussi Blondie Mercerie, qui avait cousu et porté sa version, et j'avais été vraiment sous le charme, conquise de sa réalisation, parce que j'ai trouvé cette veste vraiment stylée, et puis plutôt facile au premier abord. Et puis, voilà, après la vie prend, la vie continue, on met entre parenthèses ce genre de choses, on oublie un petit peu. Et puis dernièrement, donc j'ai revu d'autres patrons comme ça de cette veste cousue. Et l'envie était revenue de recoudre cette veste. Et puis dans ma boîte aux lettres, un jour, je reçois donc ce cadeau inattendu. Donc merci beaucoup Myriam si tu passes par ici. Et donc j'ai cousu donc cette veste. Donc c'est une veste qui est proposée donc au format PDF, mais aussi au format pochette. Sachez que c'est 17,90€ le format pochette. Sinon, le PDF est au prix de 10,90€. Ça représente 28 pages à 4, ce qui est tout à fait acceptable. Ou sinon, 2 planches à 0. Donc on peut choisir de n'imprimer que sa taille grâce à un système de calque de taille, ce que j'apprécie grandement, et les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm. Donc je vais peut-être vous montrer tout de suite ma version. Allez, c'est parti. Donc le devant, le dos. Et alors évidemment, je suis sous charme total de tout en fait, des découpes ici princesse, de ce col ici à revers là, ce revers au niveau de la veste, au niveau de l'encolure. Le dos ici, vous avez pareil des découpes princesse, et vous avez également donc une jolie basque au dos et au devant. Les manches sont de type tailleur, c'est-à-dire qu'elles sont en 2 morceaux. Et puis, voilà. Donc au niveau tissu, alors moi j'ai utilisé ici un tissu de laine mélangée, donc c'est un tissu de belle qualité que j'avais acheté 30€ les 3 mètres, c'est toujours chez Modes et Travaux, les coupons de Saint-Pierre. Et pour rappel, j'avais cousu donc une autre veste dans ce coupon, c'était la veste Cranberry de Craftin que je vous ai présentée donc le mois dernier. Et donc il me restait suffisamment de tissu pour me coudre une seconde veste, donc je suis ravie parce que c'est vraiment un tissu qui est vraiment de bonne qualité, une jolie tenue, un petit peu épais, et c'est plutôt pas mal en cette période hivernale.
Et puis comme je suis une frileuse, donc moi ça m'empêchera pas de, de porter cette veste là même l'été, parce que même si elle est un peu chaude, mais elle sera quand même très bien pour aller travailler ou pour le soir quand il fait un peu frais. Enfin bref, donc voilà, je suis vraiment contente de ce choix, donc cette association tissu et patron. Alors côté taille, ce modèle va de la taille 32 à 52. Vous avez un tableau avec les mesures finies du vêtement, ce qui permet donc de voir l'aisance qui a été apportée au modèle. Moi j'ai intégralement cousu la taille 36, et pour ce faire, donc moi je n'ai tenu compte que de mon tour de poitrine. Voilà, parce qu'en fait j'aurais pu grader, etc. Mais bon, je préférais garder la coupe telle qu'elle en taille 36 et fier dict, ça me convient très bien ainsi. Côté niveau, donc alors j'ai vu qu'il y a des informations un peu contradictoires, c'est-à-dire que dans le livret il est écrit 3 sur 4, soit un niveau confirmé, mais quand on regarde sur le site internet, c'est marqué 2 sur 4, soit un niveau intermédiaire. Donc à mon sens, c'est plus un patron d'un niveau intermédiaire qu'un niveau confirmé, parce que pour moi il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a ni poche ni doublure, les pièces en fait elles s'assemblent les unes aux autres sans difficulté, c'est comme un puzzle en fait qu'on vient assembler. Et puis pour moi en fait c'est vraiment ce patron de veste, ça pourrait faire vraiment l'objet d'une première veste, parce que quand on n'en a jamais cousu, eh bien ça peut être le bon premier projet. Parce que pour moi, encore une fois, il n'y a pas de difficulté majeure. Je trouve vraiment accessible. Et puis on est bien, bien encadré avec le livret technique. Et je trouve que c'est un projet plutôt gratifiant. Parce que en fait, comme ça s'assemble plutôt facilement. Et puis surtout, on a un résultat visuel qui est vraiment à la hauteur de nos espérances. Donc je trouve que pour un premier projet, pour quelqu'un qui n'a encore jamais cousu de veste. Bon, qui a un niveau quand même... c'est pas la première veste quand on débute. Hein, mais je trouve que si vous n'avez jamais cousu de veste, que vous avez un niveau intermédiaire, vous pouvez tout à fait coudre ce projet, parce que je vous dis, ça sera hyper gratifiant, parce que vous allez déjà prendre plaisir à chaque étape de couture, et puis ensuite, visuellement, quand vous allez faire l'essayage, vous allez être vraiment conquise par ce que vous allez voir, parce que je trouve que la coupe est vraiment saillante, elle est féminine. Il y a des détails, comme au niveau de l'encolure ici avec ses revers, je trouve ça absolument charmant. Les petites basques, c'est très féminin, etc. Les découpes princesses, je trouve que ça souligne bien les formes du corps sans trop ajuster. Donc vraiment, je trouve que c'est un joli projet. Ensuite, le livret technique, moi j'ai trouvé clair, détaillé, joliment mis en page. Il y a plusieurs astuces et conseils qui sont donnés tout du long, ce qui est fort appréciable. Et puis, ce sont des photos qui illustrent le pas à pas, moi ce que je préfère, même si... Alors peut-être un petit bémol, parce que le tissu utilisé c'est un jacquard, et c'est un jacquard avec noir, avec un imprimé plutôt chargé, donc pour tout ce qui est tuto comme ça, pas à pas, moi je trouve qu'il est quand même préférable d'utiliser un tissu de couleur plutôt claire pour mieux apprécier ensuite les détails de finition, mais ceci dit c'est pas dérangeant, enfin on comprend bien parce que les explications sont quand même claires, donc je trouve que ça va. Pour en revenir donc à la réalisation de cette veste, moi j'ai presque suivi tout à la lettre au niveau de la gamme de montage proposée dans le livret, si ce n'est deux trois choses. Alors déjà au niveau du surfilage, donc parce que dans le livret technique c'est en fait la première étape qui est proposée, c'est-à-dire de surfiler tout le tour des pièces. Ce que moi je ne fais jamais en fait. Moi je surfile toujours au fur et à mesure de l'assemblage de la veste, parce que si on surfile tous les bords, eh bien je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a des bords qui ne nécessitent pas qu'on les surfile. Donc c'est du temps passé qui ne sert à rien, c'est du fil qu'on utilise pour rien. Bon, je trouve que ça a du sens en fait de surfiler toutes ces pièces quand on utilise en fait un tissu dont les bords s'effilochent beaucoup. Donc effectivement c'est le cas du jacquard où les bords peuvent très vite s'effilocher, et donc là il faut sécuriser tout de suite avec un surfil. Parce que vous allez tellement manipuler le tissu qu'au fur et à mesure, effectivement, ça va s'effilocher et vous risquez d'avoir des soucis ensuite au niveau du montage. Donc, mais là, dans mon cas, moi, c'est un lainage tout à fait standard, donc il n'est pas utile de surfiler toutes les pièces. Et puis d'une manière générale, moi, je préfère, si vous voulez, assembler... donc par exemple, là, on a le cas ici. Vous avez ici la découpe princesse, donc vous avez le haut... ici avec le bas de la basque. Donc cette pièce là moi en fait je l'ai assemblée à la machine à coudre et ensuite seulement j'ai surfilé le bord extérieur d'un seul tenant, alors que dans les explications on nous demande de surfiler d'abord cette pièce là, ensuite cette pièce là et ensuite on assemble, alors que moi je trouve que c'est beaucoup plus joli esthétiquement
de surfiler d'un seul tenant. Donc c'est valable également pour les parementures, pour les pièces ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres pièces qui nécessitent la chose, mais enfin, d'une manière générale, moi en couture, je surfile au fur et à mesure et je surfile les pièces. Quand il y a deux pièces qui s'assemblent ensemble, je surfile d'un seul tenant. Bon, c'est une question de préférence, d'habitude, d'expérience aussi peut-être. Voilà. Ensuite, au niveau de l'entoilage, donc moi j'ai entoilé comme recommandé, donc les parementures dos et devant, les enfants bas de manche. Et j'ai en revanche décidé d'entoiler aussi toutes les pièces de la basque inférieure, car moi ça me paraissait plus logique en tout cas. J'ai ici utilisé un entoilage thermocollant plutôt fin. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. C'est à la base pour la maille. Voilà, j'ai utilisé ça. Parce qu'en fait, dans ma veste précédente, la veste crafting, j'avais utilisé un entoilage pour les nages, donc du thermolaine, parce que j'ai utilisé de la laine, parce que normalement, et il faut associer l'entoilage thermocollant avec le tissu que vous utilisez. Donc quand on utilise de la laine, il faut thermocoller avec un entoilage laine, spécifique laine. Donc c'est ce que j'avais fait pour ma précédente veste, mais en fait ça c'était trop épais en fait, donc j'avais regretté un petit peu mon choix. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un entoilage fin. Ici c'est un entoilage maille, normalement prévu pour la maille, mais vous voyez en fait qu'il y a un sens au niveau de la maille, c'est-à-dire qu'il y a une partie ici qui n'est pas élastique, qui n'est pas extensible, alors qu'ici elle l'est. Donc il suffit d'utiliser correctement son entoilage dans le bon sens pour pouvoir l'utiliser ensuite dans son projet ici à chaîne et trame. Donc ça c'est un entoilage que j'ai utilisé, que j'ai acheté, que j'achète toujours chez Fil de Mille à Paris. Donc je sais pas quelle est la référence chez Bliseline, mais en tout cas si vous habitez sur Paris ou en région parisienne, cette qualité là est vraiment super et c'est pas très élevé au niveau du prix. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour ma veste. Donc au niveau des parementures intérieures, au niveau ici, donc l'emparementure, ah bah oui tiens d'ailleurs je vous en profite pour vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, vous voyez que c'est une veste qui est non doublée, mais les bords sont gancés de biais. Et donc au niveau de l'entoilage, donc j'ai entoilé ici la parementure dos, la parementure devant et également toute la partie basque intérieure pour justement renforcer ces parties là. Pour qu'elles aient un joli maintien, une jolie tenue. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, en plus de ce qui a été recommandé par les explications. Les finitions intérieures, puisqu'on est sur les finitions intérieures, donc la veste n'est pas doublée, les bords sont gancés, et puis certaines coutures sont surfilées. Donc toutes les coutures sont écartées au fer, donc pressées au fer, donc vous avez les... Ici, le surfil qui est visible. Moi, ça ne me gêne pas. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu gancer tous les bords. Bon, moi, j'ai fait comme ce qui était écrit dans le livret et ça me convient très bien ainsi. Donc, on voit ici les coutures qui sont surfilées. Les marges, comme vous pouvez voir, donc elles ont été pressées au fer, donc couture ouverte. Et ensuite, ici, tous les bords, donc parementure et ourlet, ont été gancés d'un biais. Donc, moi, ici, j'ai utilisé un biais de coton, pareil, qui vient de chez Fil de Mille. Et en tout cas, je trouve l'intérieur vraiment très très joli. Ça m'a beaucoup plu de souligner en fait tous ces bords. Je trouve ça très esthétique. La seule chose, c'est que ici, au niveau du bas, donc vous voyez, vous avez la parementure et l'ourlet. Et ici, comme on a ajouté donc ce biais, en fait, ça crée une surépaisseur ici au niveau du bord inférieur. Donc ça c'est le petit bémol, vous voyez, pour moi, parce que j'ai essayé de dégarnir au maximum, mais malgré tout on a quand même quelques surépaisseurs ici au niveau de la jonction, parce qu'il y a pas mal de coutures. Vous avez la parementure, vous avez la couture ici du devant, plus le biais, plus l'ourlet, enfin vous voyez, ça fait pas mal d'épaisseur. Donc voilà, c'est juste le point négatif. Donc faites attention aussi au choix du tissu pour coudre cette veste. Et donc ce que j'ai bien aimé au niveau de cette parementure et d'ourlet, c'est la façon dont c'était assemblé. J'ai suivi la gamme de montage et j'aime bien le rendu visuel, je trouve ça très très joli. Alors petite astuce peut-être au passage, si vous cousez cette veste, parce que vous avez une petite... Enfin, il y a une façon de faire, c'est-à-dire que le montage n'est pas intuitif, donc il faut vraiment lire les indications du livret
pour réaliser donc ce genre de finition intérieure. Il y a juste une petite nuance, c'est qu'au niveau de la surpiqûre, parce qu'il va falloir faire une piqûre pour assembler donc la basque à la parmenture, et c'est une piqûre qu'on vient faire sur l'envers. Moi, je vous conseille de la faire sur l'endroit. Alors là, comme ça, c'est peut-être pas très clair, mais je vais vous mettre des photos pour que vous expliquiez un peu mieux le principe. Alors, autre point, c'est que normalement, on est censé faire une surpiqûre au niveau de la parmenture d'eau pour la maintenir en place. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu faire parce qu'en fait, moi, je n'ai aucune surpiqûre sur ma veste. Donc, je ne voulais pas commencer à faire une piqûre là au niveau de la parmenture. Donc pour ce faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur l'ensemble de la veste, j'ai tout glacé donc à la main avec un point de chausson. Donc c'est-à-dire que pour maintenir en fait la parmenture en place, il faut que on la fixe sur l'intérieur pour que les deux épaisseurs restent bien solidaires. Pour ce faire, donc ce sont des petits points qu'on vient faire à la main. C'est un point de chausson et j'ai fait la même chose ici au niveau de la parmenture. Alors, pas ici parce que ça ne nécessitait pas, mais ici, toute cette partie-là, là, de là jusque-là, en fait, c'est maintenu par des petits points à la main. Et puis, pareil aussi au niveau de la basque. Donc moi, j'ai pas fait de piqûre, hein, j'ai fait à la main pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Ça prend un peu de temps, mais je trouve que ça en vaut le coup parce que visuellement, c'est quand même plus joli de faire ça à la main. Alors ensuite arrivent les manches. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre on fait ça, mais en tout cas là maintenant, je vais vous parler des manches. Donc ce sont des manches longues de type tailleur. Vous avez donc une couture dessous de manches. Le bas des manches est fini par... donc il y a deux possibilités de finition. Donc soit c'est un biais, soit c'est ici un enforme. Donc moi, j'ai opté pour l'enforme. Voilà, donc c'est une pièce rapportée, hein, qu'on vient comme une parmenture en fait. C'est un enforme qui a vraiment la même forme que le bas de la manche. Donc on vient l'assembler par le bas, à 1 cm du bord. Et ensuite, pareil, on vient fixer la couture par quelques points à la main pour que l'enforme reste bien solidaire, bien à l'intérieur de la manche. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant cette petite veste que j'aime beaucoup le rendu visuel, j'aime beaucoup la coupe, j'aime beaucoup l'allure générale. Donc il est clair que je vais recoudre cette veste certainement pour le printemps avec d'autres tissus. Donc je la verrai bien dans du lin par exemple, dans une version un peu plus estivale. Donc voilà, donc il y aura d'autres vestes de ce style là parce que c'est vraiment une veste qui se coud plutôt facilement. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre, et puis notamment au niveau des finitions, je trouve que ça apporte vraiment un cachet supplémentaire donc à cette petite veste. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne porté.
Le dernier patron dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un pantalon, et qui plus est, un pantalon pour homme. Alors je crois bien que c'est la première fois de toute ma petite vie de couturière que ça m'arrive, je crois pas me souvenir en tout cas d'avoir cousu auparavant un pantalon pour homme. Donc là, en l'occurrence, c'est un pantalon pour mon cher et tendre. Parce que, alors je pense que vous le savez, hein, moi je pratique la couture égoïste, c'est-à-dire je ne couds que pour moi et moi seule, voilà, c'est dit. Moi je n'aime pas coudre pour les autres, parce que pour moi, coudre pour les autres, c'est synonyme de nervosité et de stress, donc voilà, pour moi ça n'a pas de sens de coudre pour les autres si ça engendre chez moi ce genre d'émotion. Donc du coup, parce que pour moi la couture c'est avant tout une passion, c'est avant tout du plaisir, donc moi je ne veux pas gâcher mon activité par du stress et autres émotions négatives. Donc du coup, moi je ne couds que pour moi, mais comme vous le savez, il y a toujours des exceptions à la règle, et donc c'est le cas aujourd'hui. Alors il faut dire que là, j'ai cousu un pantalon pour mon cher et tendre, parce que on a beaucoup de difficultés à trouver dans le commerce un pantalon qui lui convienne, en termes de taille, en termes de morphologie, et puis mon mari, il faut dire aussi qu'il a certaines exigences en termes de style, de confort, de matière et autres menus détails. Donc c'est toujours un peu délicat de trouver dans le commerce un pantalon qui lui convienne, et donc je me suis dit que j'allais en fait en coudre un. De suite j'ai pensé au patron Ulysse du Urban Ferry, parce qu'en fait il rassemblait trois critères, c'est-à-dire le style, la taille et le confort. Je vous mets ici tout de suite le schéma technique. Ulysse est un pantalon confortable et rapide à coudre, sa taille est élastiquée, l'élastique est glissé dans un bord-côte pour un confort optimal. Les poches italiennes sont profondes et fonctionnelles, la fausse braguette apporte un côté esthétique et elle est facile à coudre. Vous pouvez utiliser une large gamme de tissus et mailles, selon votre choix, il aura des allures de jogging ou de pantalon de costume. Donc moi en fait j'ai choisi aussi ce pantalon, enfin en tout cas ce patron de pantalon, parce que c'était un pantalon à la coupe relativement simple, et partir d'une base comme celle-ci, moi ça me permettra ensuite de pouvoir procéder à différentes modifications, ajustements, d'apporter d'autres petits détails, etc. Mais au moins d'avoir une base sur laquelle travailler. Parce que j'allais pas commencer à partir sur un pantalon à pinces avec des plis nervurés, etc. si la base ne convenait pas. Donc là, en partant de cette base-là, dont le style, la coupe convenait à mon mari, et surtout dont la taille correspondait aussi, parce que c'est pas facile de trouver des patrons, notamment pour hommes, mais il n'a pas 36, et qui plus est dans une large gamme de taille, parce que mon mari rentre pas dans les standards de taille ni de morphologie, donc il fallait trouver une solution, et j'ai de suite pensé donc à ce pantalon là parce que vraiment il rentrait dans les principaux critères en fait que moi j'avais sélectionné. Et donc du coup ce patron de pantalon qui est plutôt simple, rapide et à réaliser, me permettra ensuite de procéder à différentes modifications et d'ajouter d'autres petits détails que mon mari aimerait bien voir dans ses prochains pantalons. Donc c'est pour ça que je suis partie de ce pantalon. Sachez que c'est un patron donc PDF que moi j'ai acheté 10€. Alors parfois ça vaut le coup de patienter parce qu'il y a souvent des réductions sur le site Urban Ferry. Donc par exemple il y a quelques temps encore, là les patrons étaient à 50%. Donc parfois ça vaut le coup de patienter. Le PDF ça représente 27 pages A4 à assembler. Ou alors ça représente une planche A0. Les marges de couture sont incluses, mais attention parce qu'elles diffèrent selon l'endroit où on coud. Mais bon, c'est bien indiqué en tout cas, donc la seule chose c'est qu'il faut être concentré quand on coud le patron, parce que effectivement il y a des endroits où il faut coudre à 0,8, d'autres à 1 cm, et d'autres, d'une manière générale, c'est 1,5 cm. D'une manière générale, pour ce patron-là, c'est 1,5 cm. Moi, je suis pour les marges de 1 cm, mais là, particulièrement, j'ai apprécié que les marges soient plus larges que d'habitude. C'est 1,5 parce que, et c'est d'ailleurs c'est ce que dit Urban Ferry dans ce livret, ça permet en fait des ajustements de dernière minute si nécessaire, et effectivement ça a été mon cas parce que j'ai assemblé donc 1,5 cm, et le fait que les marges de couture soient larges, et bien ça m'a permis ensuite de rejouer, de retravailler, de découdre et repiquer par exemple à 0,8 au lieu de 1,5 pour gagner en termes d'aisance. Côté taille, donc le patron est proposé de la taille XS à la taille 3XL, donc c'est important de le souligner, c'est vraiment fort appréciable. Moi je savais pas trop quelle taille de pantalon choisir, donc j'ai comparé avec l'un des pantalons de mon mari, et j'ai mesuré donc en fait le tour de la ceinture avec et j'ai comparé avec le tableau des tailles, et donc j'ai pris la taille 2XL.
Côté stature, c'est un patron qui est prévu pour une taille de 1m80. Mon mari fait 1m76, mais je n'ai pas souhaité faire d'ajustement de stature, même si c'est très bien expliqué dans le livret, la façon dont on doit ajuster le patron en fonction de sa stature. Donc il y a différentes lignes de stature, enfin d'ajustement, qui nous permettent de retirer ou d'ajouter selon la taille qu'on fait. Mais moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai préféré faire le pantalon tel quel et ensuite raccourcir au niveau de l'ourlet comme je l'ai fait pour ma jupe. Il n'y a pas de tableau avec les mesures finies du vêtement, c'est un petit peu dommage parce que du coup on ne se rend pas vraiment compte de l'aisance qui a été apportée au modèle. Mais voilà, ensuite, écoutez, je crois que je vais vous montrer le pantalon. Alors juste verdict, j'ai cousu le pantalon la semaine dernière et il a été aussitôt cousu, aussitôt porté, ce qui était plutôt bon signe, donc il a passé l'épreuve. Pendant une après-midi, mon mari a porté le pantalon de suite, donc ça sous-entendait que 1. La coupe lui convenait, la taille était correcte et il était suffisamment confortable dans ce pantalon, donc ce qui fait que nous sommes même allés danser avec et donc le pantalon a tenu toutes ses promesses, j'allais dire, en termes de style et puis en termes de couture aussi, parce que j'avais peur que ça craque aussi au niveau des coutures, parce que quand on gesticule, quand on danse, eh bien c'est pas toujours évident, moi j'étais pas tout à fait rassurée, mais ça a fonctionné, donc je suppose, ça sous-entend que mon mari était content de ma réalisation couture. Donc du coup ici, vous voyez le pantalon qui a été porté, donc il est un petit peu, j'allais dire, froissé par le port, mais voilà. Donc voici le pantalon, donc je ne vais pas réussir à vous le montrer d'un seul tenant, mais vous voyez l'idée, donc c'est un pantalon noir. Donc vous avez ici le devant, et vous avez le dos. Donc au devant, vous avez ici des poches italiennes qui sont larges et profondes. D'ailleurs, ça a surpris mon mari, il ne pensait pas avoir des larges et profondes poches, donc ça c'est une bonne surprise. Vous avez au devant donc une braguette, mais c'est une fausse braguette. Vous avez une ceinture élastiquée, donc ça c'est vraiment le top du confort. Et puis, donc au niveau du dos, donc le dos est simple, pas de fioritures, et c'est très bien comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des passants, en fait. Parce que je voulais donc donner un rendu visuel pantalon de ville. Tout en ayant l'impression d'être dans un jogging, vous voyez, le côté très confortable. Mais le fait d'avoir un aspect pantalon de ville, ici, avec des passants qui permettent donc de mettre une ceinture, eh ben, je trouvais que ça faisait plutôt illusion. Côté tissu, donc il y a un large choix qui est proposé, que ce soit du chénétrame ou du jersey. En fait, tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Donc soit c'est un pantalon plutôt décontracté, soit c'est un pantalon plutôt habillé. Donc tout dépendra de votre choix de matière, mais tout est plutôt possible, si ce n'est qu'il faut éviter quand même les tissus trop épais. Sinon, vous allez avoir quelques difficultés. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que donc les jambes doivent être réalisées dans ce que vous voulez. Selon les faits désirés, et par contre la ceinture doit être réalisée obligatoirement soit dans un jersey, soit dans du bord-côte, et c'est important puisque vous voyez, il y a une élastique en fait qui est coulissée à l'intérieur, donc il faut que le tissu soit suffisamment extensible. Alors là, il y a une petite contradiction que j'ai remarquée, c'est-à-dire que dans les livrets techniques, il faut que la ceinture soit d'un taux d'élasticité de 60%, or dans la vidéo pas à pas d'Elsa, elle indique 30%. Moi, pour information, le tissu que j'ai choisi ici a un taux d'élasticité de 40%. Donc, c'est bon. Et après, je pense qu'il est tout à fait possible de modifier la pièce patron ceinture et de l'ajuster en fonction de ce que vous allez coudre. Donc, moi, eh bien, j'ai cousu ma version dans un scuba. Alors pour la petite histoire, il y a 15 jours, je me suis retrouvée dans un Mondial Tissu. Ça m'arrive assez rarement, mais là, c'était l'occasion, donc je suis entrée. Et j'ai tout de suite été attirée par l'un des coupons que j'avais remarqué, c'est un coupon de Scuba. C'est une matière que je n'avais encore jamais cousue jusqu'à présent, mais en fait c'est un tissu qui faisait illusion, c'est-à-dire qu'on ça fait pas trop de jogging.
Ça fait plus pantalon, tissu de pantalon que tissu de jogging. Et je trouvais que pour ce genre de pantalon, bah, c'était tout à fait adapté parce que au niveau de la couleur, donc c'est un noir plutôt profond. Le fait que ce soit du polyester, donc c'est 95% polyester et 5% élastane, eh bien du coup ça se froisse très peu. Et puis je trouvais que voilà, c'était légèrement satiné. Alors par contre, la seule petite nuance, c'est que le scuba, c'est plutôt épais. Donc faut faire attention, mais j'ai pris le risque et ma foi, ça s'est bien passé, même si je dois avouer qu'au niveau de la ceinture, il y a pas mal d'épaisseur à gérer. Donc il faut dire que j'ai deux machines qui sont quand même qui ont été plutôt coopératives avec moi, donc ça s'est bien passé, mais il y avait quand même pas mal d'épaisseur à gérer parce que, comme vous pouvez le voir, moi j'ai ajouté des passants, donc il fallait gérer les coutures latérales, plus les passants, plus la ceinture. Donc ça faisait beaucoup beaucoup, mais ça s'est bien passé. Donc ce que je vous recommande évidemment, c'est de ne pas utiliser un tissu trop épais pour coudre ce pantalon, c'est d'ailleurs ce que dit Elsa. Moi j'ai pris ce petit risque, et ça s'est bien passé parce que aussi j'ai des machines qui permettent de bien gérer comme ça les épaisseurs. Donc j'ai cousu intégralement donc ce pantalon dans ce tissu. Donc du coup, bah, comme il y a 40% d'élasticité, bah, c'est super confortable. Mon mari se sent vraiment très à l'aise à l'intérieur. Voilà, c'était un petit risque, mais finalement un risque concluant. Alors côté niveau, ce patron est indiqué facile, il n'y a pas de difficulté majeure en effet, les instructions de montage et la vidéo pas à pas proposées donc sur la chaîne YouTube d'Elsa Couture sont complémentaires et permettent de coudre ce pantalon avec plus d'assurance. Donc voilà, donc moi j'ai pas eu de difficulté si ce n'est du fait de mon tissu, parce que mon tissu était plutôt épais, notamment donc au niveau de la ceinture comme je vous l'ai dit, mais sinon tout s'est très bien passé. J'ai bien aimé la façon dont était cousu donc les poches italiennes. Alors moi j'ai apporté quelques petites nuances, c'est-à-dire que j'ai posé un ruban droit fil sur l'entrée de poche pour éviter que la poche ne se détende, ne se déforme avec le temps. Puis, alors je vais vous montrer peut-être sur l'intérieur ce que ça donne, mais c'est un peu le montage qu'on retrouve dans les pantalons de jean. C'est-à-dire que c'est une pièce qu'on vient replier en deux, donc du coup ça fait une jolie finition ici. Voilà. Donc au niveau de la poche ici, vous voyez, il y a une pliure ici, voilà. Et c'est pris ensuite dans la couture côté, et en fait la poche vient également former donc l'entrée de poche ici au devant du pantalon. Vous avez donc la confection de la fausse braguette, donc là aussi c'est bien expliqué dans le pas à pas vidéo. Alors ma fausse braguette, elle est là, voilà. La seule chose qui est importante, c'est de faire une jolie surpiqûre, parce qu'on a une surpiqûre à faire, et donc là c'est là où il faut prendre son temps, bien tracer ses repères selon les indications données par Elsa dans la vidéo. Donc il faut bien tracer et puis on vient faire un point de renfort. Donc moi j'en ai fait deux, mais au final j'aurais dû en faire qu'un parce que, je sais pas, j'étais partie dans la couture d'un jean, et en fait dans la couture de jean on voit souvent deux renforts. Là j'en ai fait deux, mais c'était pas utile, je trouve que ça porte pas grand chose. Voilà, si c'était à refaire, donc cette braguette, je pense que je l'allongerais et je l'affinerais pour une question d'esthétisme. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau du bas du pantalon, donc du coup j'ai procédé à un essayage et j'ai retiré donc 3 cm par rapport à mon mari, et ça dépend aussi, vous voyez de ce qu'on souhaite en termes de cassure aussi au niveau du bas du pantalon quand on porte des chaussures. Donc voilà, donc moi j'ai tenu compte de ça, j'ai pas fait de surpiqûre au bas du pantalon. Parce que moi j'ai fait aucune surpiqûre hein, sur le pantalon, si ce n'est au niveau de la braguette. Donc du coup j'ai fait pareil, j'ai fait quelques points ici à la main pour glacer en fait le bas de l'ourlet pour que voilà, ça se maintienne bien en place. Donc en l'état, donc le pantalon est tout à fait portable. Pour les prochains, il va falloir que je procède à quelques ajustements, notamment ici au niveau de l'enfourchure d'eau.
de la fourche d'eau, il faudrait que je l'allonge et que je modifie peut-être aussi le montant parce que en fait c'était un peu trop serré. Et quand mon mari s'assoit, en fait, ça se creuse ici au milieu d'eau. Donc ça veut dire qu'il manque en fait de la longueur ici au niveau de la fourche d'eau. Donc ça, c'est quelque chose que je modifierai au niveau du patronage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à modifier. Donc j'ai ajouté 5 cm. Pour ce faire, j'ai utilisé la technique proposée par Yvan Soufflet pour le pantalon Saiki. Donc elle montre dans ses explications comment modifier la fourche pour ajouter justement de la longueur au niveau de la fourche. Donc j'ai suivi ses explications. Il faudrait aussi peut-être que j'allonge le haut du pantalon parce que là c'est un pantalon plutôt taille est plus basse que ce que aime porter mon mari, donc il faudrait que je rehausse le haut du pantalon de 3 cm et que j'élargisse le bas aussi du pantalon parce que mon mari a envie d'avoir le bas beaucoup plus large. C'est une question de goût, de préférence, de style, c'est pas le mien, mais bon voilà, il faut que j'écoute aussi les souhaits de mon cher étant, donc c'est quelque chose, il faudrait que j'élargisse le bas. Voilà, et puis ensuite il faudrait que j'ajoute quelques détails. Donc mon mari aime bien avoir des plis par exemple, et puis avoir aussi le milieu de la jambe marqué par un petit pli nervuré. Donc ça, c'est quelque chose que mon mari aime bien comme détail. Sinon, pour le dos, je prévois pas d'ajouter de poche ou autre. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce pantalon. Donc moi, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai tout assemblé donc à la machine à coudre et j'ai fini les bords à la surjeteuse. Normalement, c'est un tissu qui est extensible, donc normalement j'aurais dû le coudre intégralement à la surjeteuse, mais moi mon tissu était tellement épais que je voulais pouvoir faire des coutures ouvertes, c'est-à-dire limiter les épaisseurs. Et pour ce faire, donc j'ai utilisé donc ma machine à coudre. J'ai utilisé du fil Maraflex, qui est un fil élastique, et puis j'ai utilisé une aiguille Super Stretch de taille 90 pour coudre donc ce tissu-là. Et j'ai ouvert les coutures partout, et puis j'ai surjeté les bords donc avec ma surjeteuse. Voilà ce que je voulais vous dire. En gros, bon, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, j'ai fait un article plutôt détaillé sur la couture de ce pantalon, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Alors j'ai très peu de photos évidemment, voilà, parce que c'est difficile de demander à mon cher étendre de poser pour prendre des photos, mais il y en aura au moins deux, donc je vous les mets tout de suite. Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit bilan couture. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça va vous inspirer pour vos propres réalisations couture à venir. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars. Et je vous retrouve donc le mois prochain. À bientôt !